Parti. Eh bien, salut tout le monde. Bon, c'est pas grave. Bon, je suis mort de rire. Bon, salut tout le monde, ici Killer Surprise. Vous me connaissez, hein? Je suis, mais pas que, hein, je suis pas tout seul. Je suis avec Monsieur Azarat. Alors, comment Salut tout le vas-tu? monde, ça va, Ok. Bon, bah tranquille, pour tranquille. une petite aventure ou une petite vidéo ou bon, on sait pas encore sur, bah, sur ce jeu. Ouais. Sur Seven Days Tonight. Ouais, voilà. The Avec un Seven magnifique Days to Die. Donc, ah bah, je commence super bien. Allez, hop, un pont. Munitions. Bon, bah voilà. Bon, bah, on commence sur un décor pas très sexy, malheureusement. Hein, c'est pour. Bon, Bon, bah, c'est. l'honneur. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, c'est pas terrible. J'ai activé la console, je sais même pas comment j'ai fait. Voilà, donc bah, le but, bon, pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est un jeu de survie à la sauce Minecraftienne, quoi. Jeu de survie à la Minecraft, tout ça, tout simplement, parce que tout est destructible. Donc, bah, par exemple, hop, voilà. Alors, vous pouvez faire des cubes. Vous pouvez faire des cubes, donc vous pouvez vous enterrer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et voilà, hein, tout simplement, donc pour récupérer de la pierre, il y a du craft, vous avez des chiottes, vous avez tout. Ouais, bon, casser des chiottes à la main, c'est pas très. Non, ça marche. Ça marche. J'ai ma mini-map qui est buggée. Ah. Ma flèche, elle bouge pas sur la mini-map. Bon, c'est pas Ah, grave, tant d'accord. pis. Donc, oui, bah, juste pour prévenir, le jeu, voilà, est en alpha, donc il n'est pas fini, hein. Donc, bah, c'est pas stable, hein, donc les FPS sont pas tip-top, malgré, bah, j'ai un PC quand même, pour ma part, correct, il fait tourner bien plus gros, sans lag. Bon, là, c'est pas terrible, mais bon, le jeu est en alpha, donc il peut avoir des, bah, il va avoir, de toute façon, je pense, des bugs, des freezes, voilà. Voilà, et vous avez un magnifique bruit derrière. Voilà pourquoi je rigolais C'est comme mon un chat. apprenti. C'est mon Voilà. chat qui pète un plomb, c'est normal, ça arrive. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, enfin, ça va faire 2 fois qu'on le dit parce qu'on a déjà fait une tentative, hein, mais tout a planté, enfin, de mon côté. Oui. Ouais, donc, pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vous invite à venir voir mon let's play. De toute façon, dans nos chaînes respectives, on mettra aussi le lien vers la chaîne de l'autre. Je sais pas si vous Voilà. avez bien compris, enfin, je pense. Oui. C'était compréhensible ce que j'ai dit, ça va? Ah oui, bah de toute façon, voilà, il y aura mon lien de sa chaîne dans ma description et Et ma sa chaîne chaîne dans la dans sa mienne, voilà. description. C'est Voilà. ça. Voilà, en gros. C'est ça, c'est ça. Hop. Donc, bah, notre but là, ça va être de survivre tout simplement. Donc là, en plein jour, ça Ouais. va, c'est mignon, C'est c'est frais, la c'est bon fête. enfant. C'est ouais, c'est bonne enfance et tout ça, tout ça. Mais la nuit, c'est. On va dire que c'est pas cool, quoi. C'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout. Donc j'espère que mon. Hop, voilà. Donc, hop. Donc il y a de la physique, attention. Et je viens de péter un arbre et j'ai récolté 2 bûches dessus. C'est magnifique. Ouais, non, mais dans ce biome-là, les arbres, ils donnent. Ouais, Ils sont ils aiment radins. pas. Hein, ça te dit qu'on aille vers le nord, là? Enfin, vers la ville? Oh oui. De toute façon, bah, il va falloir aller vers la ville parce que là, on n'a pas le temps. Là, il est ouais, midi encore. Bon, ça va, midi et demi. Donc voilà nos potes Henri et Michel. Voilà, ils sont très beaux. Hein. Ils sont très très beaux. Il y en a un des deux que j'aime pas. Ah oui, oui. C'est bah oui. C'est lui là. Pour ceux qui comprennent pas, allez voir dans ces vidéos, vous verrez pourquoi il aime pas le monsieur. Bah celui-là, là. Ça me fout. Parce que Tiens, tiens. Eh, quand il gueule, je t'entends plus. Je te jure, je t'entends plus quand il gueule, ces machins-là. Ah oui, non, c'est horrible. Hein. Donc, oui, il y a un problème des phonies aussi au niveau du son. Donc, le son augmente tout seul. On peut le baisser, mais ça augmente tout seul. Ouais, il y a certains Oh zombies merde, il y a un qui. chien. Hein? Il y a un chien. C'est bon, tu vas te le faire. Ah, dégage. Chase. Ah, c'est vrai qu'on t'entend à moitié quand les zombies gueulent, hein, Oh la c'était. vache. Oh la paix. Ça Voilà. fait trop bizarre. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Hein. Ah bah tiens, des bâtons. Hop, je me casse parce que. Hop. On dirait un téléphone portable qui a plus de réseau en fait. Ouais, voilà, ouais, Hop, c'est. hop, Je te capte plus. Donc voilà, Morissette. Voilà. Donc, hop, 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 hop.
Donc pour l'instant, on l'a fait un peu à la wall again parce qu'on a... Ah bah si, moi je suis con parce que j'ai de quoi me défendre. Hein. Parce que j'ai un pompe avec des munitions. Bon, je vais me faire un petit couteau, ce sera déjà bien. Voilà. Donc, merde. Le pompe. Bah écoute, il va falloir, je pense, qu'on aille vers la ville, là. Ouais, vers la ville, hein, non. Voilà. Qu'on aille vers la ville, et puis... puis, bah, qu'on essaie de trouver... Qu'on essaie de trouver une maison. Une petite maison sympatoche pour... Allez, c'est parti. Pour essayer de survivre, parce que... la nuit, c'est... Vous restez pas dehors, quoi, en gros, hein. La nuit, si vous restez dehors, si vous pouvez, mais vous signez votre arrêt de mort tout de suite. Je touche à rien sur mon clavier, mon perso avance. C'est pas stable encore. C'est... Puis bon, c'est vrai qu'il y a les logiciels un peu de capture qui doivent tirer aussi un petit peu dessus. Et j'ai lâché tous mes objets en chemin, je sais pas ce qui s'est passé. De toute façon, même moi avec le PC que j'ai, normalement je fais tourner plus gros et je suis à 25 FPS là, donc c'est pas terrible quoi. Mais bon, voilà, c'est pas stable, oui, c'est une alpha, donc... Ça va encore. Voilà, il y a pire, hein. Il y a des jeux qui sont faits par de grosses boîtes, qui sont dit finis, mais au final, le jeu est injouable. Tout à fait. Je vois de quel jeu je parle, donc je ne le citerai pas, mais je vois absolument de quel jeu je parle. Bon, ça, les boîtes de conserve vides... Reste pas spécialement. Notre but est de trouver une maison, de pouvoir se barricader, donc d'essayer de crafter des trucs. Ouais. Ça pourrait être cool, genre une hache, un couteau déjà, donc comme ça on pourrait déjà aller plus vite. Tu me suis là Ouais, je suis juste derrière. Je regarde dans les sacs poubelles parce que moi je suis un clodo. Moi je me dirige vers la ville. Hein. Normalement c'est par là. Ouais, c'est bon, il y a la route là. Ah, là, je te vois plus, parfois. Tiens. Tu me vois sur la minimap ? Ouais, attends, je vais mettre ma map, ouais. Hop. Bah, t'as la minimap, de toute façon, en bas... Ah bah oui, ah bah non, c'est bon. Ah oui, c'est parce que t'étais derrière un arbre. C'est pour ça. J'étais okay. Caché. Voilà, il était caché. Donc, essayez de trouver une maison, de se foutre sur le toit, dans un grenier, enfin, quelque part, là où on sera en sécurité. Après, dans le jeu, vous pouvez mettre des pièges. Après, le jeu est quand même très complet pour l'alpha. Il y a quand même de quoi faire. Hein. En parlant de pièges, là, je vais recouper du bois. J'ai ce qu'il faut, Attends, moi aussi, pas ce qu'il faut encore. Donc, pour pouvoir poser des pics. Voilà, mais est-ce que shotgun, parce que moi, j'avais déjà vu, parce que j'avais regardé des vidéos avant, bien sûr. Ouais. Hop, il défonçait le truc au shotgun et ça allait bien. Et là... C'est la mise à jour. C'est peut-être ça. Ça a changé, ouais. D'accord, ouais, c'est peut-être ça. Ouais, parce que là, il y a quand même une mise à jour, donc vous avez maintenant des zombies rampants, donc qui peuvent passer à un bloc. Ouais. Il y a quoi ? Il y a des chiens. Il y a un petit tas de saloperies quoi, qui a été rajouté. Comme les messieurs spider zombies ou spider zombies, enfin... Ceux qui grimpent au mur. Quoi, voilà, les saloperies sans nom, donc ça, pour ça, je vous invite à aller voir les épisodes... les épisodes... de mon ami ici présent pour comprendre ce que c'est quand ça vous saute sur le nez, quand vous y attendez pas, c'est assez marrant. Je sais pas pourquoi, y a que eux qui me font flipper, enfin... Ils sont bizarres, ils sont tout maigres et tout, ils ont des grands bras, enfin... Ils sont moches de base. Hein, faut voir leur tronche hein, quand après, même. Ils sont tous moches. Ouais. En fait, ils se déplacent un peu comme une tortue bizarre, enfin un peu difforme, je sais pas. Enfin c'est. Ouais. Donc voilà, une ville déjà, une des villes, des nombreuses villes. Et on était là dans un biome, voilà, on va dire. Forêt quoi. Ouais, ça doit être prairie, enfin verdure. Ouais, voilà, donc vous avez plusieurs biomes complètement chaotiques, machin, enfin il y en a beaucoup. Il y a pas mal de biomes déjà. Ouais, ouais. Ah, tiens, hop, on va casser les boîtes aux lettres pour le faire. Donc on expliquera plus tard ce qu'on fait. Pour l'instant, on ramasse, on essaye de looter. Ouais, faut ramasser encore. Voilà, là j'ai un couteau et des painkillers. Hop, c'est cool. Il nous faut de la nourriture, de l'eau. Voilà, de la nourriture, de l'eau, parce que la nourriture est prise en compte, l'eau est prise en compte aussi. Tout est pris en compte. Hein. c'est la survie, quoi. C'est magnifique. Dépêche-toi, parce que je suis en train de tout prendre. Je mange.
Oh, de la bouffe pour chien, super. Ouais, ah oui. Tiens, bah moi je vais piquer un canapé comme ça si je veux avoir mon petit confort. Ah ouais. Il m'énerve, sans déconner, il m'énerve. Enfin, bon, bah vous voyez, bah même les maisons, tout est destructible. Hein. Vous pouvez casser tous les blocs, absolument tous les blocs de la maison. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, un exemple. Voilà, vous pouvez tout casser. C'est pour ça que c'est la sauce Minecraft. Tout est destructible. Mais le truc, c'est que. Vous pouvez tout récupérer pour en faire. Vous pouvez tout casser, récupérer beaucoup de choses. Bah, pour soit vous faire une maison pour vous barricader, tout simplement. Ah bah tiens, un lit, ça pourrait être. Vous voyez, hop. Voilà, on peut tout poser, on peut tout faire. Là, vous voyez le canapé, hop, j'en veux plus, par exemple. Hop. Voilà, il est très bien là. Le truc, c'est que si nous, on peut tout détruire, les zombies aussi. Voilà. Exactement. Du coup, faut se préparer. Ça peut être très moche. Bah, vous allez voir la nuit de toute façon. Parce que... Ah, il est déjà 18h. Ouais. Ouais. J'avais pas vu. Je suis en train de piéger l'entrée, moi. Donc, au niveau des crafts, moi, je suis pas un spécialiste. Donc, je m'y connais. Bah, vous voyez, voilà. Bon, vous voyez, voilà ce que je pensais faire de toute façon, même si je connais pas spécialement bien le craft. Mais vous voyez, vous pouvez mettre des pics. Donc, il faut mieux pas s'approcher, parce que même nous, on peut... ça pique. Ça fait vachement mal, en plus. Oui, ça fait vachement mal. Si on marche dessus, on meurt. Ça, il n'y a pas de négociation. Vous pouvez crafter des barbelés. Mais vous pouvez vraiment tout faire. Vous pouvez vraiment tout faire... Vraiment, c'est vraiment de la survie. Là, tout est pris en compte. Vous pouvez faire des galeries, par exemple, si vous voulez vivre sous terre. Vous pouvez faire des coffres, machin, pour mettre les vivres. Vous pouvez vraiment tout faire. Donc ça, c'est pour ça que c'est un jeu qui est quand même très plaisant. J'ai découvert aujourd'hui, justement, grâce à ce monsieur. J'ai regardé toutes ses vidéos, j'ai fait « Ah ouais, le jeu est pas mal. » Enfin, le jeu m'a bien plu, donc j'ai fait « C'est parti. » Ouais, donc fais gaffe, j'en ai mis un peu partout. Ouais, voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Ouais, c'est... On va monter. Donc, je verrai pour faire des petits crafts tout à l'heure. Monsieur Azarat s'y connaît quand même beaucoup plus que moi en craft. Donc pour, Oui. Oui, non, mais je tu connais plus de choses. Oui, ouais. Enfin, tu joues depuis plus longtemps que moi, parce que moi j'ai aujourd'hui, mais y a un peu plus de craft. Ah, des chiottes. De quoi? Non, rien, il y avait des chiottes. Ah d'accord. Dès que tu vois des chiottes, tu veux taper dessus. Toi. Ouais, voilà, ouais. Tiens, hop, une petite bouteille d'eau, enfin un bocal. Donc il me semble que les bocaux qui sont vides, on peut les remplir, je crois. Ouais, on peut les remplir dans une rivière, un lac, n'importe ouais. où. Ouais, voilà. Ah, tiens, c'est quoi ça que j'ai ramassé? J'ai pas vu. Donc là, du tissu, du machin. Donc le lit, assez important, parce que si vous mourrez, vous réapparaissez là où vous avez posé le lit. Donc assez important. Vous pouvez vous crafter, je vais vous montrer sur ma chaîne, sur ma vidéo, la petite table de craft qu'il y a. Donc, il y a un monsieur, je crois, il va pas bien là. Ah oui, il va pas très très bien. Coucou. Ouf. Non, il est pas. Il est pas de dernière fraîcheur, je crois. Enfin. Ah, regarde. Oh, le pauvre, quoi. Les dégueulasses, quand même. Les gros dégueulasses. C'est quand même immonde. Donc là, désolé, les FPS sont pas hauts du tout. Alors bon, c'est... Encore une fois, ça vient pas de mon PC. Ça vient, du jeu qui est mal optimisé, tout simplement. Mais bon, bref. De toute façon, c'est pas très très grave. Donc, là, vous voyez, ce monsieur... est en train de poser des pics partout pour empêcher que les zombies puissent... il en fout partout, Saligo d'ailleurs, il en a mis partout. Non mais là on sortira pas. Ah ouais, là on sortira plus, c'est fini quoi. Donc sinon, si on pouvait péter l'escalier, ça serait... Oui. Comme ça, ça les empêche de monter. Ouais. Donc je vite fais la table de craft. Donc là vous avez votre inventaire avec... votre inventaire avec ce que vous ramassez. Et là la table de craft, donc... Alors, est-ce que mon explication va être claire? Alors, quand vous avez les crafts qui sont indiqués en blanc, en fait, ça veut dire qu'on peut les faire, c'est ça? Ça veut dire qu'on peut les faire, ouais. Mais faut voilà, ça veut dire qu'en fait, on a les objets pour le faire. Après, voilà. Ça ne nous dit pas quoi, qu'est-ce qu'il faut prendre, par exemple, pour faire un campfire ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais quand les crafts sont marqués en haut à droite, ça veut dire que vous pouvez les faire, mais bien sûr, ça va pas vous dire, ça va pas vous dire ce que vous allez prendre pour objet pour faire tel objet. Voilà.
Et une fois, une fois que c'est vert, c'est bon, il n'y a plus qu'à cliquer dessus, ça fera le voilà, une fois que c'est vert, ouais, il me semble que ça se fait automatiquement, je crois, ou un truc comme ça.